Amélie, les étudiants étrangers qui s'inscrivent à l'Université du Québec à Trois-Rivières sont nombreux à demander l'asile. L'an dernier, 190, soit 7% des étudiants internationaux, ont fait cette demande pour rester au pays selon des données d'Immigration Canada obtenues par le Bureau d'enquête du Journal de Montréal. Ces étudiants proviennent souvent de l'Afrique de l'Ouest. Le nombre d'étudiants internationaux qui ont demandé l'asile au Québec a plus que triplé dans les dernières années, autant au collégial qu'à l'université. Selon Immigration Canada, plus de 700 étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'études québécois ont déposé une demande d'asile en 2022. Et ça, c'est comparativement à près de 200 en 2018. L'an dernier, c'est environ un demandeur d'asile sur 20 qui est arrivé avec un visa d'études. Les étudiants étrangers qui demandent l'asile sont concentrés dans des établissements en région, alors que la majorité de ceux qui étudient au Québec fréquentent les grandes universités montréalaises. Trois-Rivières, Rimouski et Chicoutimi ont été les universités québécoises qui ont reçu le plus de demandeurs d'asile l'an dernier.